Bon! Rebonjour tout le monde! Prise 2. On a eu un bug de live. J'espère qu'on n'a pas deux lives en même temps parce que je suis vraiment pas bonne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bug de live. Non, c'est ça. Oui. Fait que, donc... Ça rappelle des souvenirs. Ouais. C'est parce que je voulais le faire sur l'ordinateur, mais David a dit: mais non, on va faire ça sur le cellulaire, c'est bien plus hot. Ben, l'image est meilleure. L'image est meilleure sur le cellulaire, apparemment. Oui. Bonjour, Sarah! Salut, yo! Allô! Ah, bon. C'est OK! Donc, en ce deuxième live... Allô, Monique! Hey, on est bon, on est productif déjà deux lives ce matin. Oui. Donc, on est là pour vous annoncer les résultats du sondage de la semaine. Suspense. Ben, suspense. Donc, comme question, vous deviez choisir, mais à quel endroit est-ce que les protagonistes vont se rendre? Vous aviez le choix entre, rester à l'impérialisme. Ce qui est logique. Ben oui. Monte un peu de niveau. Allô, Sarah 2, il y a deux Sarah. Bonjour, Robert. Allô, Robert. Donc, ensuite, le deuxième choix, c'était, aller au Lexordo. Ce qui est logique aussi. Ben oui, parce que c'est là qu'ils ont vu Vicky la dernière fois. Exactement. Ah, tiens, Sarah fait bonjour au sel. Regarde, moi aussi, on peut faire des Sarah. Des Sarah, des bonjours. Et la troisième option était aller aux brumes. Qu'on a mis là parce que ça nous prenait une troisième option. Ouais, puis qu'on trouvait ça drôle. Ouais. Devinez qu'est-ce qui a gagné? Je sais pas. On s'en va aux brumes! Ouais. Parce que, tu sais, vous prenez toujours l'option la plus logique. Ouais. Donc, c'est ça. Ensuite, on va vous lire les belles suggestions de la semaine, hein? Ouais, nos merveilleuses suggestions. Ouais. Donc, la première. Un objet mystérieux tombe du ciel et annonce le début de toute chose et la fin de rien. Entre parenthèses, bon amusement. Merci. Ben, c'est gentil, tu sais. Au moins, les gens, ils nous encouragent. Ouais. Deuxième suggestion. Un des enfants... Des enfants! Ben oui, c'est ça, c'est pour nous donner du challenge. Ouais. Donc, je disais, un des enfants boit une potion qui le fait changer de couleur régulièrement, passant du vert au bleu, au rouge, au jaune, etc. Entre parenthèses, vous avez compris le principe. Fin de la parenthèse. Les quatre autres trouvent ça cool. Ben, ils se boivent à boire... voyons, my God, que j'ai de la misère. Faut que tu lises, David. Ils se mettent à boire chacun leur tour une potion, eux autres aussi. Puis qu'ils font une guirlande lumineuse. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, des caméléons, c'est ça, exactement, Yo. Prochaine, il y en a une, ça va être facile de la dire, c'est RAS. Rien à signaler. On ça pense va être facile à plugger. Oh, ben non, mais je pense qu'on prend ça comme pas une suggestion. Ouais, bon, on va l'intégrer pareil. Rien à signaler. Vas-y. Donc, quand ils vont arriver au Lexordo, une nouvelle loi exige que chaque nouvel arrivant doit aller au temple de Shinachan pour se faire juger en personne par Shinachan Auditari da Firenze de Minou, le chat. Ouais, parce que si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient dans le premier tome, notre maître JP, qui est pas là ce matin au live, avait proposé qu'on fasse un temple à son chat, parce que c'est vraiment le nom de son chat dans la vraie vie. Ouais. Donc là, il nous revient aujourd'hui avec le fait d'aller voir le temple de son chat. Exactement. Avec son chat qui trône au sommet de son temple. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Ceux jugés dignes seront offerts un oiseau mort en cadeau. Ah, il est cool le chat quand même. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils ont un chat avec eux ou parce que JP arrive à flatter Shinachan, etc. Je vous laisse trouver qu'est-ce qu'ils font avec l'oiseau mort. Merci JP, même si t'es pas là matin, sale traître. Quelle liberté artistique. Ben oui. Allô Scarlett! Allô Scarlett! Allô Joseph! Les enfants reconnaissent leur mère lorsqu'ils voient une affiche représentant un personnage du jeu. Ouh. Oh. OK, on s'est rangé. Ils sont capables de la reconnaître, c'est déjà ça. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus comment on va mettre une affiche du personnage. Ah, j'ai déjà tout pensé à ça. Ah, OK. Yeah! Merci, Jess. Je verrais bien une vraie nounoune dans l'histoire. Ben, il y en a une! Elle s'appelle Vicky! C'est elle qu'on cherche. Elle était là dans le premier tome, c'est ça? Ouais. Elle existe déjà. Elle existe déjà. Yes! Suggestion facile. Je pense qu'il devrait obtenir un bonus d'XP s'il reste à l'impérialiste et qu'il soit dès lors convaincu par les PNJ de choisir cette option. Si elle a été choisie. Elle n'a pas été choisie. Elle n'a pas été choisie, mais en tout cas, au pire, mais qu'ils reviennent à l'impérialiste, on essaiera de plugger ça. C'est ça. Ouais. J'aimerais que la guilde reste sur place pour monter le niveau, même si rien ne va se passer comme prévu, pour qu'on ait le temps de s'attarder sur la psyché des personnages et lire des dialogues comiques, avant qu'une tuile imprévue leur tombe sur la cafetière pour les obliger à quitter les lieux en catastrophe. Hey, c'est profond, ça. Ouais. C'est très profond. Ouais. Ben, là, ils restent pas là, mais on... Quand on ils reviendront. Bon, c'est ça, quand ils reviendront. Intégrer le Allô, mot Yann! Antique... Allô,
Autre suggestion, intégrer le mot « anticonstitutionnellement ». OK. Défi accepté. Dans la Terre des Brumes, les gens qui disparaissent sont en fait capturés par un groupe de radicaux d'ex-joueurs de GN qui veulent détruire l'île pour que les gradins de la nature reviennent à la base, c'est-à-dire dépourvus de technologie. Un petit groupe de personnes qui usent de leur créativité pour s'amuser. Jouer pour le plaisir, quoi! Hey, wow! Ça va être le fun! Ouais. C'est un groupe de puristes terroristes! C'est ça! Ben, en fait, on sait déjà pourquoi les gens disparaissent, nous, mais on peut aussi intégrer ça. Ouais, il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi ils disparaissent. Exactement, on va s'arranger. Ouais. Ouais. Ah, il y en manque. Ben, c'est parce que notre imprimante est super cool, les recto verso. Ouh. Y'a-tu deux fois les recto verso? Non, juste une fois. Le reste, c'est qu'est-ce que j'ai fait, moi. Parce que, ouais, j'ai commencé à essayer d'intégrer vos affaires. Ouh. Notre imprimante est bizarre. Uh-huh. OK. Continuez votre beau travail. Ah, merci. C'est gentil. Ben, c'est le fun, ça fait une suggestion. C'est ça. C'est comme le triangle des Bermudes. OK. OK. D'accord. On va s'arranger. Et finalement, virgule. Ouais, celle-là, elle est déjà intégrée dans le texte à plusieurs endroits. C'est ça. Ah, c'est virgule, puis il y a un sur l'autre ligne. OK. On va s'arranger. Mais c'est correct parce qu'il y a un des personnages qui s'appelle numéro 1. C'est vrai. Ça, on aime ça, des suggestions faciles de même à intégrer. Ouais. Donc, comme vous avez probablement pu le voir dans l'événement, le sondage de la semaine est déjà ouvert. Ouais. On est vite sur le piton le matin, hein? On est tellement positif. Donc, cette semaine, nos protagonistes se rendent... Ouais, je suis pas réveillée. Ils se rendent dans les brumes. Mais dans les brumes, c'est dangereux, les gens ils disparaissent. Oui. Puis maintenant, on sait qu'en plus, ben, il y a un groupe terroriste puriste. En plus? En plus. Ouais, t'es en retard, JP! Quelle honte. T'es plus ma sœur. Donc, Elle dit pas ça pour vrai. Je suis fâchée. Le choix de la semaine. Vous allez devoir choisir si les enfants vont ou sont laissés quelque part pour être en sécurité dans les brumes. Exactement. Est-ce qu'ils vont emmener les enfants dans cette espèce de place où personne revient? C'est sûr que c'est tentant pour JP, sûrement. Mais... Ah, il se faisait des crêpes, là, t'as-tu vu? Ouais. Puis tu nous en amènes pas. Ouais. Bon. En tout cas. Donc, c'est ça. Est-ce que vous allez vous arranger pour que les enfants soient en sécurité? Ou bien vous les amenez dans la brume où ils vont pouvoir se faire peut-être enlever? Down, down, down. Bien entendu, il va y avoir encore la case suggestion. Encore. Comme ça, vous allez pouvoir nous troller. Encore. Puis, la case pour écrire votre nom... Si vous voulez avoir le mérite de votre suggestion et devenir auteur, ou vous pouvez simplement ne rien mettre et juste nous troller en trouvant ça extrêmement drôle. Ouais, ben vous aurez pas votre nom dans le livre, par contre. C'est ça. Ouais, comme les dernières fois avec Batman puis Justin Trudeau. Fait que c'est ça. On avait-tu d'autres choses à dire, nous autres, un matin? Ben, qu'on vous aime, merci beaucoup d'être là. Hein? C'est ça. Puis on... Ben non, attends, on n'a pas fini. Le sondage est ouvert jusqu'à mardi minuit au Québec. Mais inquiétez-vous pas, là, je vais pas me lever dans la nuit pour aller l'éteindre. Là. Fait que si jamais il est genre 1h du matin puis que vous avez rien à faire, vous pouvez participer. Moi, je vais l'arrêter. D'accord. Je vais mettre une alarme à minuit. Ben, mets-le pas à côté non, de je moi. Fais pas ça. Et oui, on sait que c'est toi, Scarlett Bartman. Mm-hmm. Et deuxième chose, ben mardi, on vous revient avec le segment de la semaine à partir de toutes les niaiseries qu'on a énumérées aujourd'hui. On dit des niaiseries, mais c'est cool, c'est des beaux défis. C'est des beaux défis, c'est ouais. Des bonnes suggestions. Ben oui. Ça va rendre le livre intéressant. Oui, oui, vraiment. Et oui, le sondage est ouvert maintenant! Exactement, puis oui, c'est vrai, c'est Scarlett qui va faire la couverture. Ouais. Ouais. Fait qu'il faut pas qu'on soit méchant avec elle quand elle dit qu'elle est Batman, et Batman! C'est vrai, t'as raison. Ouais. Ouais. Ben, on utilise la langue en plus. Ben oui. Puis, une dernière requête pour tous vous autres. Il nous manque 4 participants pour réussir à avoir notre objectif de 40 personnes qui participent dans le livre. Jusqu'à. Donc, ouais, on est rendu à 36 participants déjà. Mmh. Donc, si vous voulez partager avec vos amis, ben, ça sera apprécié. Plus de monde pour nous troller et plus de misère pour nous. Puis c'est plus drôle pour vous autres. C'est un fait. Fait qu'on vous souhaite une belle journée! Bonne fin de semaine tout le monde! Bonne fin de semaine! À mardi! Bye, à mardi! Bye!